السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله مريم واسجد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من بيغ بونهور بارك الله فيكم. ميرسي à tous et à toutes. الحمد لله جو بيان نيسا بارك الله فيك. جيسبيغ كو توا اوسي. حسين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. à tous et à toutes. à chacun de vous, à chacune de vous. Malika, Mariam, mashallah. Le son est bon. Ok, très bien. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le rendez-vous préféré, mashallah. Autour du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين امين اللهم امين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous tous et à vous toutes du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, pour cette belle présence, pour cette belle compagnie tous ensemble. Qu'Allah vous honore dans les cieux et qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous tous. Amin ya Rabbal Alamin. Un grand merci aussi à nos enfants qui assistent, subhanallah, à ces lives. Barakallahu fikoum. On doit les encourager. Et puis on doit tous et toutes remercier notre Seigneur, pardon. Notre Seigneur, Sa Majesté, alhamdoulilah, qui nous a donné encore un jour en vie aujourd'hui pour venir écouter ses plus belles paroles, ses paroles parfaites, ses paroles qui touchent, ses paroles qui rassurent, ses paroles à lui qui font du bien, ses paroles à lui qui apportent la sérénité et le calme. Alhamdoulilah, quand on écoute le Coran, on a envie d'apprendre et on a envie d'appliquer, subhanallah, ce qu'Allah nous a demandé, puisque avec l'explication, la méditation, eh bien, on ne peut que apprécier. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. On va commencer, inshallah, cette nouvelle partie, cette 23e partie de Sourate al-Baqarah, la sourate de la vache. Cette magnifique sourate avec 286 versets révélés à Médine, et c'est la deuxième sourate du Coran. Aujourd'hui, on méditera, inshallah, ensemble les versets 151 à 158. On a dépassé la moitié, alhamdoulilah, et qu'Allah nous permette de terminer cette sourate. Elle va être longue. Alhamdoulilah, on remercie notre Seigneur de nous accorder tous ces bons moments. Alors, on fait un petit résumé, un tout petit résumé, subhanallah, puisque hier, on a évoqué cette notion de direction de la Kaaba. Les musulmans, tous les musulmans, toutes les communautés qui font partie justement de cette belle religion doivent se tourner vers la Kaaba. Et qu'il faut savoir, ça c'est très important, subhanallah, il faut savoir que au niveau de la Qibla, il y avait au tout début la Qibla tournée vers Jérusalem, Bayt al-Maqdis, et ensuite Allah Azza wa Jal a répondu au désir et à la volonté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de se diriger vers la Kaaba. Son désir a été accepté et ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Les Juifs ont polémiqué, les Mécois ont polémiqué en disant que Muhammad
va revenir dans notre religion. Mohammed a pris une partie de notre religion. Et ben non, ça n'est pas comme ça, subhanallah, que ça fonctionne avec notre Seigneur. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que c'est la qibla qu'Allah a choisie. C'est l'ordre d'Allah et on doit tous se soumettre et on ne doit pas changer de qibla. La direction, elle est tournée uniquement vers la Mecque. Quelqu'un d'autre qui vient vous dire non, mais il n'y a pas de non, mais. Et il n'y a qu'une seule direction, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui donne l'ordre et c'est à nous d'exécuter. Alhamdulillah, nous on a deux directions sur d'arrive-t-on, on a Facebook et Instagram. Alhamdulillah, on remercie notre Seigneur. Ce changement a un sens particulier, il a une sagesse. Seul Allah la connaît et on va accepter cet ordre, même si ça déplaît à des non-musulmans, même si ça déplaît aux juifs, aux chrétiens et aux mécois ou à quelqu'un d'autre. Alhamdulillah, nous on est soumis entièrement à notre Seigneur. A'oudhou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, les versets 151 à 153. Allah nous dit: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله Inna Allah ma'a sabirin. Comme nous vous avons comblé de la faveur du changement de la Qibla, et comme nous vous faisons la faveur de vous envoyer un messager parmi vous qui vous récite les versets du Coran et il vous aide à vous purifier, à vous enseigner le livre et la sagesse. Et il vous enseigne ce que vous ne savez pas. Et Allah ajoute: alors, souvenez-vous de moi, et je me souviendrai de vous, et soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats. Vous qui croyez véritablement, cherchez de l'aide dans la pratique et la salat. Dans la patience et la salat, Allah est vraiment avec ceux qui patientent. Trois versets très importants. Allah Azza wa Jal nous dit, la Qibla c'était une faveur. La Qibla c'était un cadeau. Comme je vous ai donné ce cadeau, eh bien, subhanallah, je vous ai aussi donné le cadeau de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé dans votre communauté. Qui vous récite les versets du Coran? Il faut absolument comprendre et accepter et intégrer et enraciner et ancrer que le Coran est une faveur d'Allah et c'est un cadeau. Et qu'on doit tous s'attacher au Coran. Et que n'importe quelle ruqya, c'est le Coran. C'est-à-dire, quand je dis n'importe quelle ruqya, ça peut être la guérison du corps, la guérison de l'âme, le stress, la peur, la tristesse. Eh bien, le remède se trouve dans le Coran. Alors, celui qui veut un numéro privé, particulier, c'est le numéro du Coran. Voilà la grande ruqya, parce que le Coran est une guérison pour celui qui est convaincu que c'est une guérison. Alors ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a changé la qibla, qu'il a envoyé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous a envoyé le Coran. Tout est dans le Coran, la guidance, la lumière, l'apaisement, les réponses, les lois, qui vous récite les versets du Coran et il vous aide à vous purifier. Le prophète, alayhi salatu wasalam, ainsi que le Coran, c'est un moyen de purification de l'âme. Quand on dit purifier l'âme, c'est la purifier de ses péchés, la purifier pour l'élever. Le Coran, quand on le médite, il nous élève en degré. On est mentionné auprès des anges d'Allah, on est cité par nos prénoms. Pourquoi ? Voilà, eux, ils assistent à des assemblées du Coran, à des assemblées du rappel, qui vous récitent les versets du Coran et ils vous aident à vous purifier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna purifie. Alors il faut absolument avoir recours à sa tradition, à son mode d'emploi, à son comportement, à ses paroles, parce que ce sont
les réponses à notre quotidien. Il n'y a pas d'autre réponse que les réponses du prophète alayhi salatu wassalam. Et vous enseigne le Coran, la sagesse, donc ici le livre et la sagesse, c'est-à-dire la sunna, et il vous enseigne ce que vous ne savez pas. Vous savez, subhanallah, ce qui est assez étonnant dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est que même dans notre manière d'aller aux toilettes, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam, il nous l'a appris. De se laver avec la main gauche, de dire la doua en rentrant, de dire la doua en sortant. Vous voyez, subhanallah, eh bien, tout ça, ça fait partie du adab, du bon comportement, et ça fait partie de la tradition de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ici, le Coran enseigne, certes, le prophète alayhi salatu wa sallam enseigne sa tradition, et il nous enseigne aussi ce qu'on ne sait pas, ce que la révélation lui a apporté. Alors, à nous de comprendre que le Coran, c'est vraiment un trésor. C'est un cadeau d'Allah. C'est le livre, le book d'Allah. Et puis, délaissons un petit peu les face je ne sais quoi et les Insta parfois inutiles. Je parle de ce qui est inutile. Il y a des bonnes choses qui sont utiles. Mais tout ce qui amène à la perte de temps et à la perte d'argent, eh bien, vaut mieux choisir de se tourner vers le Coran. Comme nous vous avons comblé donc, de la Qibla, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on vous a comblé du Coran, c'est un cadeau. Il faut vraiment le percevoir comme un cadeau et venir, subhanallah, écouter le Coran parce qu'il répond à beaucoup de nos questions. La sunna répond à beaucoup de nos questions. Alors, il est important d'avoir recours à ces deux textes puisqu'ils figurent les lois d'Allah. Et ensuite, Allah ajoute le verset 152, alors souvenez-vous de moi. C'est un ordre. Le dhikr. Quand on parle de dhikr, le rappel, le souvenir, c'est vrai, c'est dans la salat, dans les invocations, dans subhanallah, alhamdulillah, le tasbih, mais aussi dans le Coran. Quand Allah nous dit, alors souvenez-vous de moi, eh bien on vient en live et on se souvient d'Allah, de ses versets, de ses paroles. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un plaisir, même si ça reste un plaisir. Cependant, je veux dire, ce n'est pas quelque chose à la carte, c'est quelque chose qui est obligatoire. Alors souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Voilà le cadeau d'Allah en retour. Tu te souviens, je me souviens. Alors, celui qui veut qu'Allah se souvienne de lui, celui qui veut qu'Allah pense à lui, eh bien, il pense à Allah, tout simplement. Action, réaction. Et soyez reconnaissants envers moi. Soyez reconnaissants envers mes faveurs, envers cette Qibla, envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, envers le Coran. On doit être reconnaissant, on doit le manifester, on doit montrer aussi. Ash-shukr, c'est le fait de montrer. Le Coran nous a été envoyé, révélé. On doit montrer que c'est un cadeau, que c'est une ni'ma en venant l'écouter. Ça, c'est très important. Il y a dans le Coran des leçons de sagesse. Il y a des histoires, subhanallah, époustouflantes, magnifiques, qui viennent nous dire, voilà comment doit être ta vie. Alors soyez reconnaissants envers moi. Allah nous a envoyé le rappel. Il nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et les messagers. Ça n'est pas un choix, c'est une obligation que de venir écouter. Alors ça peut être ici ce live, comme ça peut être un autre. Dès que je peux, je me nourris d'un live où il y a le rappel d'Allah, mais vraiment de le prendre comme une nourriture. Live utile où on se rappelle Allah, c'est une nourriture. Ça me nourrit, ça m'enrichit, ça m'élève, ça me purifie. Et c'est Allah qui donne. Et c'est Allah, subhanallah, qui donne ce qu'il veut et il nous a donné le Coran. Et puis Allah azzawajal a créé tout l'univers et il veut qu'on soit reconnaissant envers ses faveurs. Le Coran, c'est celui qui apaise. Souvenez-vous ce qu'avait dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr, par exemple, en termes de tristesse. La tahzan, inna Allaha ma'ana. Ne sois pas triste, Allah est avec nous. Et il est avec nous toujours. Puisqu'Allah nous dit, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Et il est avec vous où que vous soyez. Alors, où que l'on soit, on ne doit pas être triste.
On ne doit pas se noyer dans une tristesse. Vous avez des personnes qui se noient et qui répètent leurs problèmes, et qui se plaignent et qui répètent. Ça va attirer encore plus le mal. La tristesse et la colère, ça va nourrir la colère. Et la tristesse, la tahzan, Allah n'a pas accepté la tristesse. Ça arrive un moment, on pleure, on laisse couler des larmes. Pourquoi? Mais on doit, parce que ça fait mal sur le coup, mais on ne doit pas s'étaler dans cette tristesse, dans cette colère et dans cette souffrance. On ne doit pas s'étaler parce que ça épuise. Et ensuite, Allah nous dit, vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu. Le Ya ayyuhalladhina amanu a été mentionné 88 fois dans le Coran. Cherchez de l'aide dans la patience et dans la salat. Voilà où on doit trouver de l'aide. La patience. C'est quoi as-sabr? As-sabr, c'est le fait de retenir son âme, de dire quelque chose qu'Allah n'aime pas et de faire quelque chose qu'Allah n'aime pas, tout simplement. C'est ça. La patience, elle est de trois sortes. Ça, normalement, j'ai plus besoin de le redire, mais je fais le rappel parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes. Mais on doit être tous capables de comprendre c'est quoi la patience. Retenir son âme, de dire ou faire ce qui va déplaire à Allah, patienter face aux actes obligatoires. Parfois, ça n'est pas évident, la salat. Il y en a qui sont constants, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont assidus, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui prient une fois sur deux, il y en a qui prient tous les jours. Il y en a qui savourent la salat, il y en a qui ne savourent pas. Eh bien, vous voyez, subhanallah, on est tous différents. Alors, les actes obligatoires, ça demande de la patience, de retenir son âme. C'est-à-dire que même si c'est lourd pour moi, je retiens mon âme de faire quelque chose, subhanallah, qui déplaise à Allah. D'accord? Parce que c'est un grand péché que de délaisser la salat. Un grand péché, ça n'est pas que les relations interdites hors mariage. C'est aussi, subhanallah, le fait de ne pas accomplir la salat. C'est un grand péché. Je répète, c'est un grand péché que de ne pas accomplir la salat, et on sera jugé si cette prière n'est pas accomplie parfaitement. Quand je dis parfaitement, ce n'est pas zéro erreur, de manière excellente. C'est-à-dire qu'on fait du mieux qu'on peut. Retirer le mot parfaitement, c'est avec excellence, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et Allah Azza wa Jal nous dit, c'est avec la patience que tu pourras réussir. Et aussi dans l'accomplissement de la salat. La salat, Allah Azza wa Jal nous dit que c'est une aide pour chacun de nous. Que l'accomplissement de la salat apaise, elle repose. C'est là où on va trouver une force, une énergie de bien réfléchir au sujet de la salat. La salat est une lumière, elle éclaire ton cœur, elle éclaire ton âme, elle éclaire ton corps et elle éclaire ton chemin. Ne néglige jamais la salat et demande de l'aide auprès d'Allah quand tu es au bord de la délaissée, parce que seul Allah Azza wa Jal t'aidera à résister. Allah est vraiment avec ceux qui patientent. Il est en compagnie de ceux qui patientent. Il aide ceux qui se montrent patients pour lui. Alors à nous de bien comprendre ce verset. Alhamdoulilah, les autres vont être une aide aussi, puisqu'Allah dit « Wa ta'awanu, a'awnu ba'dakum ». Entraidez-vous. Allah nous a demandé de nous entraider dans le khir, dans le bien, dans ce qui plaît à Allah, pas dans le char, pas dans le mal. Mais ça fait partie de la foi de patienter et d'accomplir la salat. C'est une preuve de notre foi. C'est pour ça qu'Allah dit « Ya ayyuhalladhina amanu ». Esta'inu, 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 aidez-vous par la patience et la salat. Allah est vraiment avec ceux qui se montrent patients. Il est avec eux, il les soutient, il les encourage, il les aide. Et puis Allah Azza wa Jal renforce leur foi. C'est ça aussi l'aide d'Allah, la compagnie d'Allah. Alors il va les soutenir, il va leur apporter des solutions, la victoire aussi, on en a besoin. Et puis, subhanallah, en période de Covid, on doit tous revenir à la salat et pas juste revenir que accomplir. Savourer la salat, aimer la salat, on ne peut pas s'en passer. C'est comme si on m'arrachait un bras si je ne prie pas.
Alors, à nous de comprendre que la prière, elle fait partie de nous. C'est notre peau. On ne peut pas enlever notre peau. On ne peut pas vivre sans la peau. On ne peut pas vivre sans un œil. On ne peut pas vivre sans une main. On ne peut pas vivre sans une jambe. Alors, à nous de faire de la salat un moyen de se rapprocher d'Allah. C'est le moyen de se rapprocher d'Allah. C'est le moyen aussi d'être reconnaissant envers son Seigneur. Puisqu'Allah Azza wa Jal nous a dit que c'était le lien qui nous maintenait avec lui et que c'était la corde entre lui et nous. Ensuite, Allah nous dit, versets 154 à 157. « Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat » بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك Et ne dites pas de celui qui a été tué pour Allah qu'ils sont morts. Ils sont plutôt vivants, mais vous ne le percevez pas. Et par Allah, Allah jure, nous allons vous tester par un peu de peur, un peu de faim, et par un manque dans les biens et dans l'âme, et dans les terres agricoles. Alors annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Ceux qui, quand une difficulté les touche, disent « Nous appartenons à Allah et nous reviendrons vers lui. » Ensuite, Allah Azza wa Jal ajoute pour le verset 157 « Voilà ceux qui recevront des prières de leur Seigneur et une extrême bienveillance, et voilà ceux qui seront bien guidés. » Alors, notre Seigneur nous dit, et ne dites pas en fait des martyrs, ceux qui ont été tués pour Allah. Dans le mot martyr, il n'y a pas que le martyr dans le champ de bataille. Il y a différentes sortes de martyrs. Celui qui meurt avec un problème au ventre, celui qui décède, celle qui décède plutôt des suites d'un accouchement, celui ou celle qui décède noyée, ça fait partie aussi du martyr. Allah Azza wa Jal nous dit, ne dites pas qu'ils sont morts. Celui qui meurt, ne dites pas qu'ils sont morts. Mais dites plutôt, subhanallah, qu'ils sont en fait vivants. Quelque part, Allah, c'est ce qu'il nous dit. Mais ils sont plutôt vivants. Et subhanallah, il y a une expérience où on a déterré le corps de martyr, et on a vu que le corps restait intact, que les vers ne décomposaient pas le corps. Ça, c'est vraiment la grandeur d'Allah, et c'est une certitude qu'ils sont encore vivants. Comment ils sont vivants? Allahu a'lam. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'Allah nous dit, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, on dit qu'ils sont vivants. Mais vous ne le percevez pas, vous ne le ressentez pas, vous ne le voyez pas avec vos cinq sens. Mais ça existe. Et là, Allah nous dit qu'il est capable de toute chose. Et quel honneur de mourir martyr, d'être martyr. Subhanallah, il y a eu les martyrs du Covid aussi. Les personnes décédées du Covid sont décédées martyrs. C'est ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, pour ceux qui étaient touchés par la peste à son époque. Alors, ce sont des âmes vivantes. La raison ne le perçoit pas. Nos cinq sens ne le perçoivent pas. Mais Allah nous dit que, avec certitude, ils sont vivants. Et par Allah, nous allons vous tester. Quel est le test? Tous et toutes, nous allons vivre ce test. Al-ibtila veut dire purifier. On dit ibtila al-dhahab, purifier l'or. À une certaine température, l'or devient pur. Donc vous voyez qu'à un certain degré, l'or va devenir pur. Allah Azza wa Jal nous dit, plus il nous éprouve, plus il nous purifie et plus on s'élève en degré et plus il purifie nos péchés. Ça c'est le cadeau de l'Ibtila. Et il nous explique comment, par un peu de peur.
On a eu peur pour nos enfants, on a peur pour un examen. On a peur d'un bilan sanguin, on a peur de résultats médicaux, on a peur et on a peur et on a peur. Eh bien, ce peu de peur, Allah nous dit, c'est un peu. Bishayin, un peu, qalil, de peur. Donc en fait, subhanallah, Allah est en train de nous dire que la peur doit rester un petit chouïa, un peu de peur. Et que se noyer dans la peur, rentrer dans des phobies, c'est qu'on a nourri une peur. Tout simplement. Donc Allah nous dit que la peur doit rester un peu. Et c'est ce qu'Allah a voulu pour nous. Et nous allons vous tester par un peu de peur. Même dans cette peur, on sera récompensé, c'est un acte d'adoration. Et un peu de faim aussi. Même quand tu ressens la faim, c'est le test d'Allah. Et le fait de ressentir la peur et la faim, ça doit nous dire, c'est Allah qui te teste, remercie-le et rapproche-toi de lui. Et par un manque dans les biens. Il y en a, ils vont manquer d'argent, il y en a, ils vont manquer d'une voiture, elle va tomber en panne. Il y en a qui peut-être n'ont pas de bijoux, il y en a qui n'ont pas les diplômes qu'il faut. Vous voyez, subhanallah, Allah Azzawajal nous dit, il y a des biens qui vont vous manquer. Et puis aussi, on va vous tester un petit peu dans la santé. La période hivernale, c'est la période de la grippe. On est en période de confinement, semi-confinement, on ne sait même plus qu'est-ce qu'un confinement, subhanallah, parce qu'on a encore les masques, ça nous fait rappeler le Covid. Et on est dans cette période de Covid, eh bien, ça fait partie aussi du test. Et dans les terres agricoles, quand il y a des pertes, quand il y a la sécheresse, quand peut-être l'eau de la pluie a noyé les terres agricoles, eh bien Allah Azza wa Jalla nous dit, alors annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Si tu retiens ton âme et tu te dis, Allah m'a testé dans la peur, dans la faim, dans les biens, dans la santé, et Allah nous teste tous, eh bien Allah t'annonce la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Allahu a'lam. Allah nous dit, « Wabashir, annonce, quelle bonne nouvelle, Allahu a'lam, on ne sait pas. » Mais on sait qu'il y a une bonne nouvelle. Alors, tout simplement, quand on n'arrive pas à quelque chose, on n'obtient pas quelque chose, quand c'est pas complet, quand c'est pas comme on voulait, subhanallah, Allah nous dit, « Fais preuve de patience. » Et il nous parle de notre quotidien. Le quotidien, c'est tous les jours comme ça. C'est un peu de peur au travail, c'est avec les enfants, c'est de l'inquiétude, c'est la santé. Il y en a un qui va faire de la fièvre, l'autre qui va peut-être louper un examen. Allah nous dit, c'est le test. Relève le défi. Wabashir. La patience, c'est de se dire, ça vient d'Allah. La patience, c'est de dire, alhamdulillah. La patience, c'est de dire, ya Allah, aide-moi. Ceux qui, quand une difficulté les touche, disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » « Nous appartenons à Allah et nous reviendrons vers lui. » Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit « Quand tu es éprouvé, il va nous citer quelles sont les différentes épreuves. » Et il nous dit « Si tu dis « Inna lillahi » dans une difficulté, c'est-à-dire on appartient à Allah, nous sommes la propriété d'Allah, il y a la mort, il y a le jour du jugement. » Eh bien, Allah Azza wa Jal nous fait le rappel de l'unicité ici. On doit tous revenir à Allah, on appartient à Allah, nous sommes la propriété exclusive d'Allah. Et on reviendra. Alors, à ce moment-là, Allah Azza wa Jal nous accorde ses prières et sa bienveillance. En matière de patience, il y a une histoire à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de cette femme qui est dans un cimetière, le prophète alayhi salatu wassalam passe. Il la voit en train de pleurer dans le cimetière. Et puis il s'approche d'elle en lui disant « Crains Allah et fais preuve de patience. » Alors cette femme qui est dans un état assez particulier, elle est dans toutes ses émotions, elle lui dit « Laisse-moi, tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre, tu n'as pas vécu mon épreuve. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, se tait, il garde le silence, il s'en va.
Et les compagnons vont dire à cette femme, mais tu sais à qui tu as parlé? À Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle va vite le rejoindre et elle lui dit, ya Rasulallah, eh bien, je ne t'avais pas reconnu. Elle regrette son geste. Elle lui a parlé sur un ton. C'est vrai qu'on ne parle pas comme ça au prophète, alayhi salatu wassalam, mais on ne doit pas réagir tout court comme ça dans l'épreuve. Alors, sans la blâmer, sans lui faire de reproches, et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous éduque dans les reproches, il lui dit, la vraie patience, la seule patience, c'est au premier choc. C'est au début de l'épreuve. C'est au début quand on a mal, pas après. Ne reviens pas, en d'autres termes, vers moi pour me dire, ben tiens, je vais changer de comportement. Non, c'est dès le début, action-réaction. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous éduque tous et toutes. Et il nous dit, dès qu'on t'annonce la mauvaise nouvelle, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est comme ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous enseigne la patience. Et oui, on a perdu des personnes durant ce Covid. Et alhamdoulilah, on remercie notre Seigneur qu'ils sont partis avec une belle mort. Et puis, nous sommes la propriété d'Allah, inna lillah. Et chaque difficulté, je peux dire inna lillah. Ça n'est pas que pour la mort. Je perds mon travail, je perds un de mes enfants. Je perds la santé, il y a un conflit entre moi et mon épouse, moi et mon époux. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette parole, c'est quand la difficulté te touche. Et cette parole, Allah Azza wa Jal nous dit aussi, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté est descendue la facilité. La facilité accompagne la difficulté, elle ne vient pas après. Allah Azza wa Jal, comme s'il nous disait, subhanallah, qu'avec la difficulté, il y a la solution. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se regarder, à s'auto-analyser, à s'auto-critiquer. Allah Azza wa Jal nous dit, ma asabakum min musibatin, fabima kasabat aydikum. Toute difficulté qui te touche, c'est uniquement à cause de toi, à cause de ce que tu as fait. Donc toute situation négative, toute difficulté, c'est à cause de moi uniquement. Ni je m'en prends à mon époux, à mon épouse, à mes parents, à mes enfants, à mes amis, à mes frères, à mes sœurs. C'est moi, l'auteur de l'erreur. C'est ce qu'Allah nous dit. On ne va pas changer les textes. Et on ne va pas changer les paroles d'Allah. Et on va plutôt sortir de notre zone de confort. Telle situation difficile, c'est à cause de moi. Il y a une erreur, je dois la rectifier, tout simplement. Tout simplement. Alors Allah Azza wa Jal nous dit que la solution, on peut la voir, la solution est avec la difficulté. Voilà ceux qui recevront des prières de leur Seigneur et une extrême bienveillance. Et voilà ceux qui sont bien guidés. Tu fais preuve de patience. Tu retiens ton âme. Tu acceptes l'épreuve. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas souffrir. Donc tu dois retenir ton âme. C'est ça la patience. C'est si je n'accepte pas, je refuse l'épreuve, je vais souffrir. Je vais me rebeller contre mon Seigneur. La salat arrive, c'est une épreuve aussi. La salat arrive, comment tu vas réagir? Tu vas accepter? Si tu refuses, tu vas souffrir, sur terre et dans l'au-delà. Alors à nous d'accepter tout ce qui vient d'Allah, de changer notre regard vis-à-vis d'Allah, d'avoir une belle pensée, d'avoir aussi une très belle image d'Allah. Et tout ce qui vient d'Allah n'est que pur cadeau. Voilà ceux qui recevront des prières parce qu'ils ont patienté, parce qu'ils ont dit on appartient à Allah. Et comme on appartient à Allah, on est la propriété exclusive, alors on doit obéir, on doit accepter ses ordres. Si je fais le contraire, l'inverse de ce qu'Allah m'a demandé, je vais vraiment souffrir. Voilà ceux qui recevront des prières de leur Seigneur et une rahma,
une bienveillance. Allah prend soin de toi. Allah t'accompagne, Allah t'honore, t'élève et Allah te donne les solutions et Allah te donne l'intelligence et Allah te donne la force et la santé. Mais il attend de toi que tu sois patient. La salat arrive, tu dois être patient. La salat arrive, tu dois être reconnaissant. C'est le lien fort avec Allah. C'est une lumière qui va illuminer ton âme et ta journée. Alors, Allah nous demande de garder la foi, de garder le meilleur comportement. Même quand l'autre s'est mal comporté envers toi, tu dois toujours garder le meilleur comportement. Parce que, pourquoi ? Allah te demande de patienter. Il va y avoir une peur, il va y avoir un manque, il va y avoir... Allah te dit patiente, garde le meilleur comportement, parce que celui qui est en face de toi, tu dois le respecter, mais ta relation avec Allah ne doit pas être impactée. As-salat, ici, salatullah, salawat, au pluriel, les prières, des prières, ça signifie le pardon, ça signifie le fait de nous élever, ça signifie, subhanallah, aussi, la baraka, le bien qui descend, ça signifie la satisfaction, ça signifie l'aide. Et on va ajouter « Wallahu a'lam ». C'est ce qu'ont expliqué les savants. Mais exactement quelles sont les prières d'Allah, Allahu a'lam. Nous, on se charge d'accomplir, de faire, d'honorer notre engagement vis-à-vis d'Allah. Et Allah se charge de nous récompenser. Et wallahi, quand Allah donne, il donne parfaitement. Il donne plus que ce qu'on attend. Hier, subhanallah, dans les commentaires, une sœur disait, j'avais des dettes, j'ai récité les versets 26 et 27 en continu de Surat Al-Imran et Allah m'a donné et m'a donné plus que ce que j'imaginais. C'est un très beau témoignage de cette sœur, qu'Allah la récompense, mais avec Allah, quand on est sur le droit chemin, eh bien, il nous tire vers lui sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ce qui nous est demandé. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous dit, celui qui est éprouvé par une difficulté et qui dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et qui ajoute, Allah majirni fi musibati wa khluf li khayran minha, c'est-à-dire, Seigneur, accompagne-moi dans cette épreuve et donne-moi mieux que cette épreuve, alors Allah lui donnera mieux. Tout simplement. C'est une question de bon vouloir, c'est une question de volonté, de désir, c'est une question d'ambition, de détermination. Allah donne et il nous l'a promis. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous répondrai, j'exaucerai, je vous donnerai, je vous apporterai. Al-musiba, c'est une épreuve, certes, c'est une difficulté qui nous touche, une petite comme une grande difficulté, subhanallah. Et puis, il faut se dire aussi, c'est quelque chose qui nous fait mal. C'est quelque chose qui est désagréable, mais c'est quelque chose qui est un pur cadeau d'Allah. Verset 158, pardon, Allah va nous parler maintenant et il va rentrer dans les rites du Hajj. Inna safa wal marwata min sha'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah Azza wa Jal nous dit, certes, Safa et Marwa font partie des rites d'Allah. Alors celui qui souhaite accomplir le pèlerinage autour de la Kaaba, autour de la maison sacrée d'Allah, ou d'accomplir le petit pèlerinage, il n'y a aucun péché d'accomplir les va-et-vient entre les deux monts, Safa et Marwa. Et celui qui veut accomplir un nouveau pèlerinage ou faire un autre acte d'adoration, alors Allah récompense parfaitement et il connaît parfaitement les intentions. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal a révélé ce verset ? Pourquoi il nous parle de Safa et Marwa ? Pourquoi il nous parle du Hajj ? Tout simplement, c'est que sur le mont Safa, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc cette époque-là, eh bien, il y avait une statue qui s'appelait Issef. Et sur le mont Marwa, les Quraishites, ceux qui associaient à Allah, ils associaient à travers aussi, par des statues, pardon, sur Marwa, il y avait une autre statue qui s'appelait Na'ila.
Et dans la Kaaba, il y avait plus de 360 statues. Donc ça fait, subhanallah, la statue sur le mont Safa, le mont Marwa, et puis dans la Kaaba, 360 statues. Il y en avait plus que 360 si vous ajoutez, bien sûr, Safa et le Marwa. Et les Mekwa, les Quraishites, ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba tout nu. Ils applaudissaient, ils sifflaient. C'était comme ça qu'ils faisaient tawaf. Vous allez être choqués, sûrement. Mais c'est comme ça que ceux qui associaient à Allah faisaient le tawaf. Tout nu, dénudé, en sifflant et en applaudissant. Et les compagnons étaient gênés avec tout ça. Et ils se posaient la question, parce qu'ils savaient que le tawaf faisait partie des rites du Hajj. Et il y avait le mont Safa et le mont Marwa où il y avait des va-et-vient à faire, mais il y avait aussi des statues. Donc on part, on revient, et il y a des statues. Ils étaient gênés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va arriver avec les versets pour enseigner les rites du Hajj et enseigner aussi la Umrah. Alors, Allah Azza wa Jal va révéler que, subhanallah, il n'y a aucun péché à faire le tawaf, c'est-à-dire les va-et-vient, l'ashwat, entre Safa et Marwa, il n'y a aucun péché. On peut faire les va-et-vient entre ces deux monts sans commettre de péché à cause des statues qui étaient sur les deux monts. Certes, Safa et Marwa font partie des rites d'Allah, même si eux ont mis leur statue. Alors celui qui souhaite accomplir le Hajj ou la Umrah, le Hajj c'est aussi le fait d'avoir comme objectif d'adorer la grandeur d'Allah. Et puis l'Umrah veut dire Ziyara, parce que ça n'est pas un Hajj complet comme le grand Hajj. Alors celui qui veut faire les va-et-vient, Allah nous dit, alors celui qui souhaite accomplir le pèlerinage autour de la maison sacrée ou d'accomplir le petit pèlerinage, il n'y a aucun péché à accomplir les va-et-vient entre les deux monts. Et c'est en fait la vie le plus vraisemblable, c'est-à-dire que le tawaf entre Safa et Marwa, c'est un pilier du Hajj, un pilier de la Umrah. On ne peut pas les enlever. Et celui qui veut accomplir un nouveau pèlerinage ou faire une autre adoration en plus, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il récompense parfaitement celui qui souhaite faire un khir en plus et il connaît parfaitement les intentions. Ceux qui vont adorer les statues de ceux qui vont le faire pour Allah. Donc il les a rassurés. Vous voyez, subhanallah, cette petite peur qu'ils ont eue, eh bien Allah nous dit qu'il nous éprouve aussi par un peu de peur. Ils avaient peur de désobéir à leur Seigneur. Et, alhamdoulilah, le verset a été révélé. Et même un endroit, un lieu où il y a une statue et que les rites sont obligatoires, on peut prier. Alors ceux qui, subhanallah, se posent la question, est-ce qu'on a le droit de prier dans une église ou pas? Parce que parfois, cas de force majeure, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais loin de mon domicile, il y avait une église à côté. Le choix entre prier devant tout le monde dehors ou une église, je préfère largement une église. D'accord ? C'est un lieu de culte, certes. Ils ont leur adoration, on a la nôtre. Ici, subhanallah, pendant l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils pouvaient faire le tawaf alors qu'il y avait les statues. Il y avait les statues aussi dans la Kaaba et pourtant ça ne les a pas empêchés d'accomplir le Hajj. Donc vous voyez que quand on a la science, quand on a aussi le tafsir du Coran, eh bien on arrive à comprendre et puis à accepter aussi certaines situations. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ce qui est obligatoire, c'est la salat. Et la salat prime sur le fait que ça soit une église ou que ça soit un parc. La salat est plus importante que tout. Alors on ne doit pas tomber dans le piège de Shaitan. Oui, mais t'as vu, il y a ça, il y a ça. La salat, c'est la salat. L'heure, c'est l'heure. Et quand tu ne peux pas, tu invoques Allah, ton Seigneur, et il te donnera l'occasion, le lieu, le moment propice
pour faire la salat, tout simplement. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Nos journées doivent être nourries, enrichies par la patience et la salat, la prière. As-salat, c'est la. La prière, c'est une corde entre nous et Allah. Tu lâches la corde, tu t'écroules, tu tombes, tu t'effondres. Regardez, subhanallah, comment nous, les femmes, dans une période bien particulière du mois, comment on est parfois un peu déstabilisé. Et vous, messieurs, vous ressentez quand on n'est pas bien dans cette période. Alors, ce lien avec Allah, il est très fort. Et là, on voit la différence. C'est une lumière qu'on ne doit pas lâcher. Parce que si la lumière s'éteint, c'est les ténèbres et l'obscurité. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier. Qu'Allah nous permette d'accomplir la salat, d'accomplir le hajj, d'accomplir la umrah. Regardez comment la umrah est devenue difficile. Regardez comment le hajj est devenu très difficile, subhanallah. Il y a eu ceux qui ont accompli, et ceux qui ont encore accompli, et ceux qui n'ont jamais accompli. Qu'Allah nous permette d'accomplir ce rituel, pardon, et cet acte noble, le hajj. Et ça fait partie des 5 piliers de l'islam que de faire ce hajj pour Allah Azza wa Jal, uniquement pour Allah. C'est comme ça que Allah définit ses pratiques, ses adorations. Même s'il y avait des statues, Allah leur a dit, attention, Safa et Marwa, c'est aussi une partie du hajj qu'on ne peut pas occulter ou négliger ou mettre de côté. Ce n'est pas notre décision, c'est le choix d'Allah. Qu'Allah nous permette qu'on se dirige tous vers la Kaaba, qu'on soit tous unis, parce que c'est aussi un symbole fort hein, de tous se diriger vers la Kaaba. On est tous frères, sœurs, et puis on doit tous s'entraider et accomplir la salat avec douceur, amour, lumière, avec concentration, avec lenteur aussi, c'est-à-dire faire des mouvements pesés, sereins, où il y a la tranquillité. J'aime mon Seigneur, j'aime la salat, j'aime la Kaaba, j'aime la Qibla, j'aime me soumettre à lui, j'aime la communauté, j'aime l'entraide. N'oubliez pas de cliquer, d'accord ? Allah Azza wa Jalla nous dit, il va vous tester. Même quand vous faites sadaqa, c'est un moins, c'est vrai, mais ça sera un plus parce qu'Allah il dit, wa bashir as-sabirin. Retiens ton âme ici. C'est maintenant que tu dois retenir ton âme. Quand tu fais sadaqa, tu la retiens. Tu la retiens parce qu'on n'a pas le choix. La sadaqa est un acte obligatoire. Allah a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها. Ya Muhammad, prends de leur bien, de leur argent, une sadaqa. Pourquoi ? Pour les purifier de leurs péchés et pour les élever en degré. Quand je donne, je me purifie de mon péché. Et quand je donne, subhanallah, Allah m'élève en degré, tout simplement. Wallahi, c'est un cadeau. Wallahi, c'est un honneur. Wallahi, c'est un bonheur. Moi, j'ai participé. Je le dis, alhamdoulilah, parce que ça fait partie. Je ne veux pas dire combien, mais j'ai participé. Ça mérite. Et on ne doit même pas réfléchir. Allah Azza wa Jalla nous dit, il va vous tester. Tu donnes, tu enlèves un petit peu de ton bien et tu donnes ou pas. Et il te dit, je t'annonce la bonne nouvelle, si tu retiens ton âme, de l'avarice. L'avarice, c'est de la retenir, de ne pas faire le khair, le bien, et de protéger, de préserver le droit des autres. C'est leur haq, wallahi, c'est leur haq. Ils viennent demander, on ne doit pas refuser. Et il nous demande, et on doit avoir la pudeur devant Allah, que de s'exécuter. Il n'y a pas de manquement, il n'y a pas, ah tiens, si je donne, ça va me manquer. Non, pas avec Allah. Avec les autres, oui, mais pas avec Allah. Jamais avec ton Seigneur. À 18h, Inch'Allah, ce soir, il y a un live. L'association Sbar va témoigner un petit peu de leurs difficultés et de leurs aussi besoins pour réaliser ce projet à 16 000 euros. C'est un camion. Attention, l'hiver arrive à grands pas. Il y a des jours où il fait froid, il y a des jours... Et les étudiants, ils ne veulent pas attendre le froid. Ils ont déjà commencé. Allah y jazikum. Les personnes qui sont pauvres dans la difficulté, subhanallah, eh bien, c'est des gens qui sont dans l'attente. Vous voyez, subhanallah, je connais quelqu'un, un frère,
Il a à peine posté une annonce, voilà, je donne des vêtements, je donne. Et il y avait du monde qui voulait récupérer, entre ceux qui envoient dans les pays, entre ceux qui sont dans le besoin. Wallah, il y a la difficulté. On a même dit à ce frère, subhanallah, s'il te plaît, garde-moi ces biens. Je viendrai les récupérer. La misère existe, la pauvreté existe. Et wallahi, on sera récompensé. Et wallahi, notre argent témoignera pour nous. Ya Allah, il a donné. Ya Allah, elle a donné. Annonce-lui la bonne nouvelle. Parce qu'il a patienté. Il a retenu son âme de garder son argent. Il a préféré donner. Il a préféré le faire pour toi. Pourquoi on lit le Coran? Pourquoi on s'appelle la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi on s'appelle les musulmans? On est soumis à Allah. Alors soumets-toi. Exécute-toi. Il reste un peu plus de 700 euros. Inch'Allah, on va les réaliser aujourd'hui sur la somme de 7000. On y va progressivement. Alhamdulillah. C'est Allah qui permet, c'est sadaqat. On remercie cette chaîne, mashallah, qui est merveilleuse, cette chaîne qui nous appelle à faire le bien, à faire le khir. Elle nous offre des moments où on se rapproche d'Allah, à nous aussi de se rapprocher de ceux qui nous appellent à la bonté. Le cœur doit réagir, c'est pas l'ego. Là, pas de place à l'ego, c'est pas le moment. Il y a des personnes décédées qui ont besoin de notre sadaqa. Il y a aussi des êtres humains vivants qui ont besoin de notre aumône. Et nous avons besoin aussi d'épargner dans le compte Hassanet. Ce compte-là, on a tous un compte épargne. Et on a tous un livret. Mais un livret parfait, sans intérêt. On a un livret qu'Allah nous a gardé, qui s'appelle, subhanallah, al-fardaus al-a'la. Alors purifie ton âme. On finance ce projet, 7000 euros aujourd'hui, on essaye de les atteindre, et en un peu moins de 700 euros, Inch'Allah, on essaye de les combler aujourd'hui. Moi, alhamdoulilah, les témoins, j'ai participé, je n'ai pas à le dire, mais pour vous encourager aussi, wa ta'awanu, tant que c'est pour l'entraide, alhamdoulilah. Alors, on est à 6271 euros aujourd'hui. Il reste à peu près 700 et quelques euros. On essaye de les combler. Barakallahu fikoum. Je sais que vous avez donné. Alhamdulillah, on continue. Et par Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'a promis. Ma naqasa malun min sadaqa. Un argent, de l'argent, ne sera pas diminué si cet argent qui est pris va pour la sadaqa. Sidq, c'est maintenant. Si tu es véridique, c'est maintenant. Dans la sadaqa, Allah Azza wa Jal reconnaît ses serviteurs véridiques. À nous aussi d'invoquer Allah, à nous aussi de lui demander de nous aider dans cette cagnotte et de concrétiser la somme des 16 000 euros. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous honore dans les cieux, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous purifie, purifie ce cœur parce que c'est vraiment le diamant. Les 16 000 euros, c'est rien. Le cœur, c'est ça qu'il faut purifier. Il est beaucoup plus cher que les 16 000 euros. On a 6 285 euros. Inch'Allah, on va continuer. Je ne lâcherai pas. On va compléter les 7 000 euros aujourd'hui. Alhamdulillah, moi, je suis tenace, je suis déterminée. On va compléter les 7 000. Et Inch'Allah, ce soir, à 18 h, on va soutenir cette ASBL. Ils vont aussi nous emmener dans leurs locaux. Ils vont nous montrer aussi qu'est-ce qu'ils font, comment ils travaillent, comment ils gèrent aussi avec l'équipe, les bénévoles, comment ils gèrent, subhanallah, leur action, leur activité au service de la communauté. Wa astaghfirullah li wa lakum, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. On est 740. Je veux encore les 740 aujourd'hui. Subhanallah, si chacun donne un euro, déjà on a complété la somme. On est, alors si tu peux, Abdelrahman, me donner exactement ce qui reste à chaque fois, c'est beaucoup plus simple pour moi. On est 740, on reste 740, on fera les doigts ensemble et qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le meilleur. On est à 6347 euros, on va rendir à 6350 euros. Il reste 650 euros. Qui donne 50 euros? Je vais parler de grosses sommes. 50 euros. Je ne veux pas de 5 fois 10, je veux 50 euros. Est-ce que quelqu'un peut poser maintenant 50 euros? Bismillah, pour Allah uniquement, pour se rapprocher d'Allah. Juste pour se rapprocher d'Allah, tout simplement. Il reste 653 euros. On va les combler, on va les terminer. 50 euros. Qui donne, Inch'Allah, 50 euros? Dans le Cotisop, ça va se voir tout de suite. Il y a le PayPal aussi et il y a le compte bancaire. Alors, alhamdulillah, c'est une occasion en or.
que de donner, que de s'élever, que de se purifier, mashallah, on a moins de 600 euros, on a 593 euros. Qui donne encore 50 euros? J'aimerais une autre personne qui donne 50 euros. Alors, celui qui donne, Allah le récompensera, Allah l'élèvera. Celui qui ne peut pas, qui a mis l'intention, wallahi, Allah vous donnera et vous récompensera. Je sais que parmi nous, il y a aussi des nécessiteux, il y a des pauvres. Ne vous inquiétez pas, la baraka d'Allah est là. Alors, continuez. Ceux qui ne peuvent pas, font des doigts. Ceux qui peuvent, font des doigts aussi. On est à 563 euros. J'ai besoin de deux personnes qui donnent 30 euros. 30 fois 2. Si on peut donner tout de suite 30 fois 2. Deux personnes qui donnent 30 euros. Mashallah, on est à 555 euros. Qui donne 25 et 25? 25 plus 25, ça fait 50 euros. Deux personnes qui donnent 25 et 25. On va essayer d'y aller rapidement. Et Mashallah, Habiba dit, c'est vrai, on se nourrit quand on donne. Eh bien, quand on donne, et oui, on se nourrit. Puisqu'Allah Azza wa Jal fait descendre sa rahma et cette rahma nous nourrit. Alors, 25 et 25. Bismillah, 25 et 25. On est à 545 euros. D'être les meilleurs ici, subhanallah. Allez, 20 fois 2, 20 et 20. Bismillah, 20 et 20. 20 fois 2, on ne réfléchit pas. C'est dans le compte des hasanat, c'est dans le livret des hasanat, c'est dans la balance des hasanat. Et c'est aussi la bonne nouvelle qui va vous être annoncée, 495 euros. Mashallah, qui donne 30 euros? J'ai besoin de 3 personnes qui donnent 30 euros. 30 fois 3 pour compléter les 90. 30 fois 3. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah avec l'aide d'Allah et uniquement avec l'aide d'Allah. 30 fois 3, ça fait 90 et il nous restera 400 euros. Vous voyez, subhanallah, comment on va vite? Au début, on était parti sur presque 800 euros, 700 et quelques. Et là, on est à la moitié. 30 fois 3, on ne réfléchit pas. On donne et on dit Bismillah et Allah Azza wa Jal vous annoncera la bonne nouvelle. Et n'oubliez pas, la bonne nouvelle d'Allah, c'est pas la bonne nouvelle qu'on t'annonce dans ton courrier ou dans ton recommandé. C'est la bonne nouvelle uniquement de la part d'Allah. Alors, mashallah, alors c'est quoi 54 euros? Ça veut dire quoi, Abdelrahman? C'est un don de 54 euros? Il reste 54 euros. Mashallah, il faut aussi être reconnaissant envers les frères qui bossent. Abdelrahman, on a 7056 euros. Ça y est, on a dépassé. Allahu Akbar. Alhamdoulilah, on va s'arrêter là. Mashallah, je vous avais promis 7000. Je vais y revenir, Inch'Allah, en live dans la semaine. Je pense que je vais faire un live sur Instagram, Inch'Allah, et je vous tiens au courant. On va compléter les 16 000 euros. On ne lâche pas notre communauté. Et Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, un grand, grand merci. Qu'Allah vous récompense infiniment. Continuez. Si on peut monter à 8 000, bismillah, on aura atteint la moitié. 7 590 euros. Qui donne 30? On part sur 8 000? Allez, on part sur 8 000. Bismillah. Puisque, mashallah, vous êtes motivés, on va aller dans cet élan. Renouvelez votre intention, c'est uniquement pour Allah. Alors, redis-moi combien il reste, Abdelrahman. Mashallah, on a 7641. Il reste moins de 400 euros. Bismillah, moins de 400 euros. Qui donne? J'ai besoin de deux personnes qui donnent 50 euros. Deux personnes uniquement qui donnent 50 euros. Allez, 50 fois 2. Comme ça, on aura balayé les 100 euros. Alhamdulillah. On a besoin d'être stimulé, on a 7851 euros. Qui donne 51? On arrondit. 51 euros, bismillah, et il nous restera 200 euros, Allahu Akbar. Alors, nous avons le PayPal, je le rappelle, nous avons le compte bancaire ici épinglé. Ici, vous cliquez, vous avez les coordonnées et nous avons le Cotisup. Donc, le Cotisup, c'est très facile, c'est simple. Moi, j'ai utilisé le Cotisup, ça a été rapide, mashallah. Et à nous de bien comprendre que c'est vraiment le défi, le challenge. C'est, Allah nous dit, dans la rivalité dans le bien. Wa ta'awanu, l'entraide. On est à 7996 euros, Allahu Akbar, mashallah. Alors, mashallah, on a 8100. Allez, on essaye de grimper. Qui donne? J'ai besoin de deux personnes qui donnent 25 euros et de trois personnes qui donnent aussi, subhanallah, 50 euros. On va y aller tout doucement. On ne voit pas
Le don, on ne s'en aperçoit pas, on est à 8200. Mashallah, quasi 8200. Il reste 800 euros. Qui donne 2 fois 50, 2 personnes avec 50 euros, 4 personnes avec 25 euros. 4 personnes avec 25 euros et 2 personnes avec 50 euros, on est à 8206 euros. Même les petits dons, on les prend. Même 1 euro, wallahi, on le prend. Vous voulez donner 1 euro, bismillah. Mais c'est vrai que cette somme, elle est importante, 16 000 euros. C'est pour ça que j'ai un petit peu gonflé les dons. On a 8256 euros. Combien il nous reste, Abdelrahman, s'il te plaît? Alors, qui donne, subhanallah, 50 euros? Qui donne aussi 4 fois 25? On a 8276. Non, combien il reste pour compléter? Les 9 000, par exemple. Juste les 9 000, Abdelrahman. L'entraide, c'est là où on applique les versets. C'est là où Allah va annoncer les bonnes nouvelles. C'est là où Allah nous dit, soyez patient. Là, il faut retenir son âme, être patient, ne pas se dire, ah non, non, moi, il va me manquer. Il reste 723 euros pour compléter les 9000. Allahu Akbar. Et cette association-là, mashallah, on a déjà collecté 10-15 000 euros rapidement, en quelques heures. Ça a été incroyable. Il y a de la baraka dans cette association. Bismillah, on donne, l'hiver approche, les étudiants attendent et on est à 8419 euros. On essaye de grimper, mashallah, il manque à peu près 600 et quelques euros pour compléter les 9000. Alors, bismillah, il manque 471 euros pour compléter les 9000. J'ai besoin de 2 personnes qui donnent 25 et de 4 personnes qui donnent 50, tout simplement. Allez, on va continuer dans ce chemin, dans cette lancée, et vous allez voir, mashallah, on va très vite grimper. Il reste 431 euros. Qui donne encore une fois, 2 fois 25 ou 4 fois 50? Je le répète, je pars sur des dons assez importants. Pourquoi? Parce que la somme est importante. Il reste 401 euros. Alors, inshallah, on continue. 8 personnes qui donne 50 euros. 8 personnes pour 50 euros. Bismillah, on ne réfléchit pas. Bismillah pour la bonne nouvelle. Bismillah, celui qui veut être élevé en degré. Bismillah, celui qui veut aussi faire un exercice de patience, être dans la patience, témoigner de la patience. Voilà ceux qui recevront des prières et des rahmats. La rahma d'Allah est vaste. La prière d'Allah, on ne sait même pas ce que c'est. Allah dit salawat. Il ne dit pas salat, il dit salawat. Des prières. Pourquoi? Parce qu'on a fait preuve de patience. Alors c'est la patience, c'est maintenant. Et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur. Et vous allez voir, il n'y a pas besoin de doigts. Il n'y a pas besoin que nous, on fasse des doigts pour toi ou pour toi ou pour toi ou pour toi. Rien qu'avec l'intention, on a déjà donné. Et Allah voit et c'est largement suffisant. Il manque 259 euros. 4 x 25. On part maintenant sur du 4 x 25. 4 x 25 euros ou 8 x 25. Mashallah, on est déjà à quasi 9000 euros. Alors, cliquez bien sur ce lien ici. Mashallah, c'est le lien de la sadaqa. C'est le lien vers Allah. C'est la corde qui mène vers Allah. Et ensemble, on doit s'entraider. Et on donnera. Et on donnera. Et laissez votre compte entre les mains d'Allah. C'est le vrai tawakkul. Votre compte, ne calculez pas. Vous donnez, vous allez voir qu'Allah Azza wa Jal vous comblera. Je vous ai raconté une fois, je sais, je vous ai déjà raconté cette histoire, subhanallah, où il me restait plus que 50 euros pour tenir le mois. J'étais à quelques jours. Et puis, il y avait une association qui collectait. J'ai dit, c'est pas grave, je m'en remets à mon Seigneur. Wallahi, j'ai donné les 50 euros. 2 jours après, 400 euros sont rentrés dans mon compte. Subhanallah, pour vous dire. Donc celui qui fait tijara, qui fait le commerce avec Allah, il va gagner de plus en plus. Il y en a qui cherchent à vendre, à revendre, à acheter, à revendre, à louer. Tijara ma'Allah, le business avec Allah, c'est un business très gagnant, un business excellent. Il reste 200 et quelques euros. Allez, on continue, 25 x 2, 25 x 3, 25 x 4, 25 x 5. 25 x 10, on complète les 200 et quelques euros, bismillah, avec l'aide d'Allah. Dites bismillah, ne laissez pas shaitan venir entre vous et votre Seigneur. Bismillah, ya Allah, avec ton nom, avec ton aide, avec ta compagnie, je donne les 25 euros. Il manque 168 euros. Qui donne 8 euros? Bismillah.
Et puis, 16 personnes pour 10 euros. 16 personnes, juste 16 personnes pour donner 10 euros. Et on a complété, Inch'Allah, normalement, on a complété les 10 000 ou pas, Abdelrahman? Allez, bismillah, bismillah, bismillah. Cette sadaqa partira pour une camionnette de la valeur de 16 000 euros. Dans cette camionnette, on y chargera les colis, les denrées pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Et avec cette camionnette, elle permettra de faire les courses, les achats, de transporter. Et oui, il faut du matériel. Pourquoi? Parce que qui dit camionnette dit grande demande, grosse demande. On a 8 840 euros. Mashallah, on essaye de compléter au moins les 9 000 et peut-être avec le live de ce soir à 18 h, on complétera les 10 000, Inch'Allah. Et j'espère être parmi vous à 18 h. On complète et Fimizan al-Hassanat et Allah Azzawajal vous a déjà annoncé la bonne nouvelle, même avec l'intention. Si vous n'avez pas eu les moyens avec l'intention, Allah Azzawajal vous a déjà comblé, vous a déjà privilégié. 8 955 euros, c'est la somme collectée. Il reste 45 euros pour compléter 9 000. Il manque juste 45 euros. Bismillah, 20 et 25. Bismillah, 20 et 25. Même ceux qui ont donné, s'ils veulent redonner, bismillah, n'hésitez pas, hein, vous recliquez. Il manque 35 euros. Allez, 3 fois 10 et 5 euros. 3 fois 10 et 5 euros. Vous voyez, subhanallah, ça c'est le business. Ça, ce sont les belles enchères. Ça, c'est les mizaines, les balances de chacun qui sont en train de se remplir, subhanallah. Alors, à nous, avec vos invocations, avec votre aide, avec votre participation, on y arrivera avec l'aide d'Allah surtout. Ne jamais oublier, ce n'est pas grâce à sa mère, non, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alhamdoulilah, je suis un pion parmi les autres pions. Avec vos pions, on est tous des pions et tous en œuvre. Eh bien, on va s'élever tous et c'est comme ça. Khayra ummatin, vous êtes la communauté juste. Et on est juste quand on répond à l'appel de cette communauté, la communauté bruxelloise, pour la communauté belge, parce que ailleurs et partout ailleurs, on est tous dans le besoin. Dis-moi, Abdelrahman, il reste combien? Barakallahu fik. Bismillah, bismillah, mashallah, qu'Allah vous récompense amplement, généreusement, grandement. Qu'Allah illumine vos tombes, qu'Allah azawajal. Mashallah, on a dépassé les 9 000, on a 9 152 euros. Je suis persuadée que ce soir à 18 h, que la cagnotte va aussi fructifier. On atteindra facilement, très facilement, les 10 000 euros et il restera uniquement les 6 000. Alors les 6 000, on va les atteindre, Inch'Allah. Je suis très confiante. La communauté est magnifique. La communauté, elle est belle, elle est généreuse. Il reste 838 euros jusqu'à ce soir pour compléter les 10 000 euros. 838 euros pour compléter les 10 000 euros. Alors, Inch'Allah, on va faire les doigts en espérant que certains vont participer peut-être pendant la doua, après la doua, c'est votre choix. Mais un grand, grand merci du fond du cœur et au nom de l'équipe, il reste 738 euros. Au nom de l'équipe de l'association SBAR, un grand, grand, grand merci à vous tous et à vous toutes, ne serait-ce que par vos intentions. Innamal a'malu binniyat, les actes suivent une intention, tout simplement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الحليم الكريم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض
ورب حليم. اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تشرح صدورنا وأن تزكي نفوسنا وأن تطهر قلوبنا وأن تغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زكي نفوسنا، أنت خير من زكاها أنت خير من زكاها وتولها، أنت خير من ولاها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه، اللهم من كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مظلوما فانصره، اللهم من كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلتنا خير أمة أخرجت للناس، اللهم اجعلنا خير أمة أخرجت للناس. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نور قلوبنا وطهر ألسنتنا وزكي نفوسنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل السلام ومن أهل الإيمان ومن أهل القرآن. اللهم تب علينا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اجعل صلواتنا نورا لنا. اللهم ارزقنا الخشوع في صلواتنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلواتنا، اللهم ارزقنا الخشوع في صلواتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، يا رب ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلامنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والكرام. يا ربي ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد عند الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب الأمة، اللهم انصر شباب الأمة، اللهم احفظ شباب الأمة وانصر شباب الأمة، واحفظ بناتنا واستر بناتنا واستر عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. Vous avez été magnifique. Il reste 530 euros. 530 euros. Inch'Allah, si on peut combler les 10 000 euros, barakallahu fikoum, il reste 530 euros. Et qu'Allah vous accorde al-firdaus al-a'la. Et qu'Allah soulage vos peines, vos douleurs, vos souffrances, votre tristesse, votre colère. Et qu'Allah azza wa jal vous accorde le meilleur, la meilleure intention, la meilleure bonne action. Et puis qu'Allah azza wa jal vous accorde aussi la meilleure des morts. C'est très important. Amin ya rabbal alamin. Mashallah, on est à quasi 10 000 euros. Pour ceux qui veulent donner après le live, bismillah, partagez, faites participer vos proches, qu'Allah vous récompense. À mercredi, inshallah, pour un nouveau live, une nouvelle histoire, et surtout, ce soir à 21h, sur la chaîne Instagram, Un jour, un hadith. Un jour, un hadith. Je serai uniquement en direct de Un jour, un hadith, barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense grandement et généreusement. À très vite, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.